them in the Nisu. Hunted them. Morias Paraskevas, mother to the nest. Whoa. Tu as passé l'âge de telles bêtises, non? Je vous apporte. Ah, regardez qui est de retour. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes, et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Ah, à la reine. Bayek, tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi? J'ai deux autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne? L'aurais-tu oublié? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. À propos de Medjay, tu as des nouvelles d'Aya? Aya défend nos intérêts sur les mers. Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre. Nous forgerons une alliance contre l'ordre pour le bien du pays. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Je t'ai donné deux nouveaux noms, le Chacal et le Scorpion. Ils font partie des proches de mon frère. Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie? C'était les filakès de ton frère? Difficile à dire. Ce Gabignani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. J'espérais les rallier à ma cause. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils. Foutuo ! Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir, des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette... ville dionysiaque. Et découvre le complot qui nous vise. Septimius est en ville. Le capitaine de ces filakès se nomme Venator.
Selon les rumeurs, il traînerait au bord. Ah, un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends, tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai? Non, je n'en suis pas un. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay. Mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le Pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante, alors ne leur parle pas trop durement. Alors, tu voulais nous parler? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Chut! Ne prononce pas ce nom! Ce n'est qu'un Neket Yadet. Il n'est pas question que je me taise pour ce monstre. Tout le monde a peur de lui, mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Par Anubis, cet endroit est animé. Venator ne travaille pas seul. Du sang sur les murs. Ce Venator est malsain. Quel crime atroce as-tu commis? Une vraie odeur de marécage. Des plats cassés, ça ne présage rien de bon. Il s'entraîne au tir sur Cléopâtre. Venator prépare ses Gabignani à assassiner la reine. Des luttes, du fard à lèvres et des huiles parfumées.
Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Vénator tient à ce que ces hommes passent inaperçus. Des barriques de vin. Mais je ne sens pas l'odeur. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine, depuis une hauteur. Vénator n'est pas qu'un sbire de Septimius. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. Ma casa que pone. Y si le use jorose. Jamais on me voit ici. Maison aux Afrosinis. Aïe. Mon amour. Bayek. Oh. Ah, tu portes l'odeur de la mer. J'ai navigué au large pendant un long moment, mais je te suis revenu. Oh. Vite. Oh. Aïa, je suis blessé. Protège la reine! Aïe! Je suis blessé! Tu dois protéger la reine!
Protège la reine! Aya! Je suis blessé! Tu dois protéger la reine! Oui, j'y vais! Je m'en charge, mon amour. Celle qui se fait appeler reine! Ton trône sera bientôt ton tombeau! Lequel d'entre vous est Vénator? C'est notre chef! Et tu n'as aucune chance de l'atteindre! C'est ce qu'on verra! Voilà, ils sont tous morts. Mais où est Vénator? La reine est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Si tu es un gardien de l'Égypte, je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait là-bas? Tu ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Ova! Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Ce sera déjà un bon début. Oh, roi Cléopâtre! Nous sommes les Gabiliani et l'Égypte nous appartient! Quoi? Les guerriers ont échoué, mais moi, je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui nous reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Thank you.
déesse sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Tu es un gardien de l'Égypte. Je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Et bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait là-bas? Ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Omar. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Ça a déjà un bon début. Oh, à Cléopâtre! Nous sommes les Gabinianis et l'Égypte nous appartient. Ouah! Les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui nous reste. Si la mort exige de la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. La reine n'est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Tu es un gardien de l'Égypte. Je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Tu ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Omar. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Ce sera déjà un bon début. Oh, Cléopâtre, nous sommes les Gabinianis et l'Égypte nous appartient. Ah, les guerriers ont été. Et moi, je réussirai. Les deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui peut. La mort existe de la dignité. Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. La reine n'est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Si tu es un gardien de l'Égypte, je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que j'ai fait? Tu ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Omar! Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Ce sera déjà un bon début. Oh, à Cléopâtre! Nous sommes les Gabinianis et l'Égypte nous appartient! Ouah! Les guerriers ont échoué, mais moi je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui nous reste. La mort exige de la dignité. Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume.
Bededouk a ni trayet. Ma reine est qu'une chienne sans honneur. On ne parle pas comme ça d'une déesse. Tu es un gardien de l'Égypte. Je ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel? As-tu vu ce que je fais? Ne me fais pas peur. Viens, je vais m'occuper de ton cas. Fous-toi, Omar. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans? Tu seras bientôt mort. Tu seras déjà un bon démon. Or à Cléopâtre, nous sommes les Gabinianis et l'Égypte nous appartient. Ouah! Les guerriers ont échoué, et moi je réussirai. Tes deux haches ne te suffiront pas. Laisse mourir cette reine. La mort est la seule dignité qui me reste. Si la mort existe la dignité, alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Garde une place dans la douate pour ton frère Septimius. Hé, hey, vieil homme. Oh, tu es blessé. Une simple écorchure. Oui. Je vais bien. Plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions. Alors qu'on attend sans cesse à mes jours. Ma reine, reposez-vous. Je n'ai pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Phoxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée. Mon dernier recours. Vous deux allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek. Si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. Ces Gabignani nous ont laissé une felouque. C'est gentil. Septimius est la pire des vermines. C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse. Epotinus. La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux. Et ensuite, nous rentrerons chez nous. Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous. Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé, que nous avons changé. Comment ça se passe sur ta trirème? Très bien. Phoxidas m'a confié le... Et si on s'offrait l'un à l'autre? Dans cette barque? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble, avant que ton besoin de sauver l'Égypte t'emmène à nouveau loin de moi? Tu plaisantes, mais ça n'a rien de drôle. C'est la grandeur que je cherche. Notre pays est en guerre civile, c'est une évidence. La misère est partout. Je t'aime, Aya. Et nous sommes des Medjay. Notre mission est de protéger, mais nous travaillons seuls. Je partage ta haine de Ptolémée. Mais souviens-toi,
Cléopâtre est une Ptolémée. Elle n'est pas si différente de son frère. Nous devons servir la grandeur. Quelle grandeur servons-nous? Nous sommes des parents. Nous étions des parents. Je t'aime, Bayek de Siwa. Je ne sais plus qui tu es aujourd'hui. La mort flotte dans l'air. Quelle puanteur. Une terrible odeur. Par les dieux. Le Nil sera rouge pendant des lunes. Osiris va avoir du travail. Ce sont des Romains. Pas les Neketiadet de Ptolémée? Non. Oui. Ah, Septimius nous a devancés. C'est étrange, tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots. Oui, c'est le cimetière de nos ambitions. Non, non, ce n'est pas possible. Où est César? Il est arrivé à Alexandrie. Il est très bien gardé, il ne peut pas... Qu'on me mène à lui. Je verrai César coûte que coûte, même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égouts du palais.